Cela fait 7 ans que l'empereur des Francs Charlemagne combat les Sarrasins en Espagne. 7 ans que le roi Marsile tient Saragosse, dernière ville à résister aux Francs. Mais ce dernier redoute la puissance de l'armée franque et craint de tout perdre. Son titre, sa liberté et sa richesse. Sur le conseil d'un certain Blancandrin, Marsile cherche à concilier Charlemagne. Il se soumettra à lui, se fera chrétien et lui offrira des otages en preuve de bonne foi si les Francs s'en retournent en France et lui laissent son royaume. Charlemagne, accompagné de ses barons de France dont font entre autres partie le contrôlant neveu de l'empereur, le preux-chevalier Olivier et Turpin archevêque de Reims, reçoit Blancandrin envoyé par Marsile. Il décide, sur suggestion de Roland et après avoir tenu conseil, d'envoyer Ganelon, beau-père de Roland, afin de porter leur réponse positive à la requête du roi Marsile. Mais Ganelon, pensant que l'on cherche ainsi à se débarrasser de lui et craignant de se faire tuer au cours de sa mission, prend cela pour un affront. Fort amer et en colère vis-à-vis de Roland, il se rend à Saragosse, puis complote, une fois arrivé, avec Marsile, afin de tendre un piège à Charlemagne et son armée, espérant ainsi pouvoir se venger de Roland. Le roi Marsile fait porter par Ganelon le message de sa soumission à Charlemagne, tandis qu'il fait mander de l'aide parmi tous les Sarrasins d'Espagne, afin qu'ils envoient leurs forces contre les Francs. Mais alors que l'empereur se met en route pour Saragosse avec son armée, pensant y recevoir l'allégeance du roi Marsile, les Sarrasins de toute l'Espagne se rassemblent en une vaste armée, à son insu, et se mettent en route pour l'affronter. Charlemagne, arrivant à Saragosse, se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond et fait faire demi-tour à son armée. Ganelon, de retour aux côtés de l'empereur, pense bien pouvoir tenir sa revanche. La nuit passe toute, l'aube se lève claire. Par les rangs de l'armée, l'empereur chevauche fièrement. « Seigneur baron, dit l'empereur Charles, voyez les ports et les étroits passages, choisissez-moi qui fera l'arrière-garde. » Ganelon répond, « Ce sera Roland, mon filâtre. Vous n'avez baron d'aussi grande vaillance. » Le roi l'entend, le regarde durement, puis il lui dit, « Quelle folie vous prend là, et qui donc fera devant moi l'avant-garde ?» Ganelon répond, « Ogier le Danois, vous n'avez baron qui mieux que lui la fasse. » L'empereur dit à son neveu Roland, « Beau sire neveu, vous le savez bien, c'est la moitié de mes armées que je vous offre et vous laisserai. Retenez-les, c'est votre salut. » Le comte Roland dit, « Je n'en ferai rien, Dieu me confonde si je dément mon lignage. Je retiendrai 20 000 Français bienveillants. En toute assurance, passez les ports. Vous auriez tort de craindre personne, moi vivant. » Haut sont les monts, ténébreux les veaux et sinistres les défilés. Ce jour-là même, les Français les passent à grande douleur. De 15 lieues, on entend leur marche. Quand ils parviennent à la terre des aïeux et voient la Gascogne, domaine de leur seigneur, ils pensent à leurs fiefs et aux filles de chez eux, ainsi qu'à leurs nobles femmes. Pas un qui n'en pleure de tendresse. Sur tous les autres, Charles est plein d'angoisse. Au port d'Espagne, il a laissé son neveu. Pitié lui en prend. Il pleure, il ne peut s'en tenir. Pendant ce temps-là, les païens s'arment de cuirasses sarrasines dont la plupart sont à triple épaisseur. Ils lacent leurs solides casques de Saragosse et saignent des épées d'acier viennois. Ils portent de beaux boucliers, des épieux de Valence et des étendards blancs, bleus et vermeils. Ils laissent les mulets et tous les palefrois. Ils montent sur les destriers et chevauchent en rang serré. Clair était le jour et beau le soleil. Il n'est pas d'armure qui toute ne flamboie. 1000 clairons sonnent pour que ce soit plus beau. Le bruit est grand, les Français l'entendirent. Olivier, chevalier et ami de Roland, dit « Seigneur et compagnon, je crois que nous aurons à combattre les Sarrasins. »
Roland répond « Que Dieu donc nous l'accorde ! Nous devons bien rester ici pour notre roi. Pour son seigneur, le vassal doit souffrir la détresse et endurer les grandes chaleurs et les grands froids. Et il doit perdre et du cuir et du poil. Que chacun veille à frapper de grands coups pour qu'on ne chante pas sur nous de funestes chansons. Les païens sont dans leur tort, les chrétiens dans leur droit. Mauvais exemple ne viendra jamais de moi !» Olivier dit « Les païens viennent en force, et nos Français, il me semble qu'ils sont bien peu. Roland, mon compagnon, sonnez donc votre cor. Charles l'entendra, et l'armée reviendra. » Roland répond « Ce serait une folie. En douce France, j'en perdrais ma gloire. Aussitôt de Durandal mon épée, je frapperai de grands coups. Sa lame enseignera jusqu'à la garde d'or. Les païens félons ont eu tort de venir au col. Je vous le jure, tous sont condamnés à mort. » Roland, mon compagnon, l'olifant, sonnez-le donc. Charles l'entendra, il fera retourner l'armée. Le roi nous secourra avec tous ses barons. » Roland répond « Ne plaise à notre seigneur que mes parents, par ma faute, soient blâmés et que la douce France soit déshonorée. Mais je frapperai tant et plus de Durandal, ma bonne épée que j'ai sainte aux côtés. Vous en verrez la lame tout ensanglantée. Les païens félons ont eu tort de se rassembler, je vous le jure. Tous sont livrés à la mort. » Roland, mon compagnon, sonnez votre olifant. Charles l'entendra, lui qui passe l'école. Je vous le jure, oui, les Francs reviendront. » Ne plaise à Dieu, lui répond Roland, qu'il soit jamais dit par personne au monde que pour un païen je sonne du cor. Jamais on ne le reprochera à mes parents. Quand je serai au fort de la bataille et que je frapperai des coups par milliers, de Durandal vous verrez l'acier sanglant. Les Français sont braves, ils frapperont en vrais vassaux. Jamais ceux d'Espagne n'éviteront la mort. » Roland est vaillant et Olivier est sage. Tous deux sont de merveilleux vassaux. Une fois sur leurs chevaux et en armes, jamais dussent-ils mourir, ils n'esquiveront la bataille. Les comtes sont braves et leurs paroles fières. Les païens félons furieusement chevauchent. Olivier dit « Roland, en voici quelques-uns. Ceux-ci sont près de nous, mais Charles est trop loin. » Votre olifant, vous n'avez pas daigné le sonner. Le roi présent, nous n'aurions pas de perte. Regardez là-haut, vers l'école d'Espagne. Vous pouvez le voir, l'arrière-garde est à plaindre. Qui en est aujourd'hui ne sera d'aucune autre. » Roland répond « Ne dites pas ces folies. Maudit le cœur qui dans la poitrine prend peur. Nous tiendrons ferme ici sur place. Nous porterons les coups et ferons la mêlée. » Quand Roland voit qu'il y aura bataille, il devient plus féroce que lion ou léopard. Il appelle les Français et dit à Olivier « Seigneur, mon compagnon, mon ami, ne parlez plus ainsi. L'empereur qui nous a laissé les Français en a choisi 20 000 qui sont tels à son avis que pas un n'est un lâche. Pour son seigneur, on doit subir de grands maux, endurer de grands froids et de fortes chaleurs. On doit perdre de son sang et de sa chair. Frappe de ta lance et moi de Durandal, ma bonne épée que le roi me donna. Si je meurs, celui qui l'aura pourra dire que ce fut l'épée d'un noble vassal. » Il y a là un duc païen nommé Falsaron. Envers les Français, il est fort insolent. « Aujourd'hui, la douce France perdra son honneur. » À l'entendre, Olivier devient furieux. Il pique son cheval de ses éperons dorés et va le frapper en vrai baron. Il brise son bouclier et fend sa cuirasse. Dans le corps, il lui enfonce les pans du gonfanon. De la longueur de sa lance, il l'abat des arçons, mort. Il regarde à terre et voit étendue la canaille. Il l'a vivement apostrophée. « De vos menaces, misérables, je me moque. Frappez, Français, car notre victoire sera complète !» Il crie « Mon joie !» C'est le cri de guerre de Charles. La bataille fait rage et devient générale. Le comte Roland ne fuit pas le danger. Il frappe de l'épieu tant que résiste la hampe. Après 15 coups, il l'a brisée et détruite. Il dégaine Durandal, sa bonne épée. Et Olivier chevauche à travers la mêlée. Sa hampe s'est brisée. Il n'en a plus qu'un tronçon. Il va frapper un païen, lui brise son écu couvert d'or et de fleurons, puis hors de la tête fait sauter ses deux yeux et la cervelle coule jusqu'à ses pieds. Parmi les autres qui gisent, sans nombre, il l'abat mort. Puis il en abat deux autres, mais le tronçon éclate et se fend jusqu'à ses poings. Roland lui dit « Compagnon, que faites-vous ? En une telle bataille, je n'ai cure d'un bâton. Il n'y a que le fer qui vaille, et l'acier. Où donc est votre épée, qui a nom haute claire? La garde en est d'or, le pommeau de cristal. » « Je n'ai pu la tirer, » lui répond Olivier.
J'avais tant de besogne. Monseigneur Olivier a tiré sa bonne épée, celle qu'a tant réclamée son compagnon Roland, et il lui montre, en vrai chevalier, comme il s'en sert. Il frappe un païen et lui fend par le milieu toute la tête, tranche le corps et la brogne safrée et la bonne selle dont les gemmes sont serties d'or. Et à son cheval, il a fendu l'échine. Il abat le tout devant lui, sur le pré. Roland dit « Si l'empereur nous aime, c'est pour de tels coups !» De toutes parts, « Mon joie !» retentit. La bataille est merveilleuse et pénible. Olivier et Roland frappent à tour de bras. Les Français frappent tous ensemble. Les païens meurent par centaines et milliers. Qui ne fuit pas contre la mort n'a pas de recours. Bon gré, mal gré, il y laisse sa vie. Les Français perdent leurs meilleurs défenseurs. Ils ne reverront pas leur père, ni leurs parents, ni Charlemagne qui au col les attend. Durs sont les coups et rude est la mêlée. Quelle détresse parmi les chrétiens! Si vous aviez vu Roland et Olivier de leurs épées frappées et taillées en pièces! Aux quatre premiers assauts, les Francs l'ont emporté. Le cinquième fut pour eux pénible et rude. Ils sont tous tués, les chevaliers français. Sauf 60 que Dieu a épargnés. Avant qu'ils ne meurent, ils se vendront très cher. Roland dit « Je sonnerai le lifan et Charles l'entendra qui passe l'école. Je vous le jure, les Français reviendront !» Olivier dit « Le déshonneur serait grand et l'opprobre pour tous nos parents. Cette honte durerait toute leur vie. Quand je vous l'ai dit, vous n'en avez rien fait. Vous ne le ferez pas maintenant avec mon accord. Si vous sonnez du cor, ce ne sera pas d'un brave. Vous avez déjà les deux bras sanglants. » Le comte répond « Des coups, j'en ai donné de bien beaux. Mais pourquoi vous emporter contre moi ?» Olivier de répondre « Compagnon, vous l'avez mérité, car vaillance sensée n'est pas folie. Mieux vaut mesure que témérité. Les Francs sont morts par votre légèreté. Jamais plus nous ne servirons Charles. Si vous m'aviez cru, mon seigneur serait revenu, et cette bataille, nous l'aurions remportée. Le roi Marsile aurait été pris ou tué. Votre prouesse, nous l'avons vue, Roland, pour notre malheur. Charlemagne ne recevra plus notre aide. Jamais il n'existera un tel homme jusqu'au jugement dernier. Vous allez mourir et la France en sera déshonorée. Aujourd'hui s'achève notre loyale amitié. Avant ce soir, avec douleur, nous nous séparerons. » Roland mit alors le lifan à ses lèvres. Il l'embouche bien, sonne à pleine force. Haut sont les monts et longue la voix du cor. À 30 grandes lieues, on l'entend qui se prolonge. Charles l'entend et l'entendent tous ses corps de troupes. Le roi dit « Nos hommes livrent bataille !» Et Ganelon lui répond à l'encontre qu'un autre lui dit « Certes, on y verrait un grand mensonge. » L'empereur fait sonner ses cors. Les Français mettent pied à terre et s'arment de hauberts, de haumes et d'épées parées d'or. Ils ont des écus bien ouvrés et des épieux forts et grands et des gonfanons blancs, vermeils et bleus. Tous les barons de l'armée montent sur les destriers. Ils donnent de l'éperon tant que durent les défilés. Pas un qui ne dise à l'autre « Si nous revoyons Roland encore vivant, avec lui nous frapperions de grands coups !» À quoi bon les paroles? Ils ont trop tardé. Les païens disent « Nous sommes nés à la malheur. Quel douloureux jour s'est levé pour nous !» Nous avons perdu nos seigneurs et nos pères. Charles revient, le vaillant, avec sa grande armée. De ceux de France, nous entendons les clairons sonner clair, grand est le bruit de leurs cris de Montjoie. Le comte Roland est de si fière hardiesse que nul homme fait de chair ne le vaincra jamais. Lançons contre lui nos traits, puis laissons-lui le champ. Et ils lancèrent contre lui des dards et des guivres sans nombre, des épieux, des lances, des muserases empennées. Ils ont brisé et troué son écu, rompu et démaillé son haubert. Roland est mort. Dieu a son âme dans les cieux. L'empereur parvient à Roncevaux. Il n'y a ni route, ni sentier, ni espace vide, ni aune, ni pied de terre où ne soit couché un Français ou un païen. Charles s'écrie « Où êtes-vous, cher neveu? Où sont le comte Olivier et mes pères que j'avais laissés ?» Mais à quoi bon, puisque personne ne répondit. « Dieu, dit le roi, combien je peux m'affliger de ne pas avoir été au début de la bataille ? » Ces barons chevaliers versent des larmes, tandis que contre terre, 20 000 s'évanouissent.
Les chevaliers de Charlemagne rattrapent ensuite l'armée de Marsile et lui infligent une sévère défaite au Val Ténébreux. Ils retournent ensuite à Roncevaux afin de récupérer les corps des Français qui y sont tombés. Marsile, grièvement blessé, parvient quant à lui à rentrer à Saragosse, où il reçoit des renforts sarrasins arrivés du Moyen-Orient sous les ordres d'un certain Baligan. Le seigneur de Saragosse, se sachant mourant, remet à Baligan ses terres. Ce dernier mène ensuite ses troupes nombreuses contre ceux de France et les rattrape à Roncevaux où l'armée franque enterre ses morts. Une grande et violente bataille a lieu. Charlemagne donne de sa personne et se retrouve face à Baligan qui l'affronte et défait difficilement avec une aide divine dans un combat singulier. La mort du grand chef sarrasin engendre la déroute de ses troupes et offre la victoire aux Francs. Victorieux, Charlemagne s'empare de Saragosse et établit des garnisons afin de protéger ses nouvelles conquêtes. Sur le chemin du retour, il se rend à Bordeaux, où il laisse l'olifant de Roland sur l'autel de ce qui est aujourd'hui la basilique Saint-Seurin de Bordeaux. Les chevaliers Olivier et Roland sont quant à eux enterrés à Blaye, en l'église Saint-Romain, tandis que Ganelon, dont la trahison est entre-temps apparue au grand jour, est ramené à Aix-la-Chapelle où il finit, après un procès tumultueux, par être jugé coupable, puis exécuté sur ordre de l'empereur Charlemagne. Si falte la geste que tout rôle douce déclinait.